Nous n'avons jamais eu l'occasion de vous remercier, élu. Vous nous avez épaulés à Aulka. Vous avez vu nos parents, notre passé. Merci pour vos conseils et votre amitié. Cela signifie tant à nos yeux. Mais assez parlé du passé. Kali a déjà ri de mes tentatives pour consigner par écrit ce qui s'est passé. Nous avons des menaces bien plus dangereuses à traiter. Kali ronge son frein. Elle s'est lassée de ses dromatras et convoite ardemment un plus gros gibier. Nous chassons la crinière noire qui s'est infiltrée au plus profond de Mont-la-Lune. Ses légions ont fait irruption des profondeurs, tuant la plupart des moines. Les rayons indiquant que ce lieu est sacré sont devenus sombres. Ils alimentent désormais un verrou mystique qui bloque la porte du temple. Amenez cette prière aux vives lunes. Nous devons nous rendre auprès des rayons, ces gros piliers autour du temple. Nous allons y prier, puis nous purifierons les rayons et repousserons les ténèbres. Élu, je sais que nous pouvons y arriver. Qu'en dites-vous ? Nous vous retrouverons au rayon. À tout à l'heure, élu. Élu, Shaza se réjouit que vous soyez là. Il émane de ce rayon une corruption d'une rare intensité. Il foisonne d'énergie des dromatras. Shaza doit accomplir la purification. Vous êtes puissante, mon ami. Mais Shaza a une grande expérience avec les énergies sombres d'ici. C'est bien elle qui doit les dissiper. De plus, le rituel va sans doute attirer l'attention. Vous devez protéger Shaza pendant qu'elle travaille. Ils viennent pour le rayon. Voilà d'autres. Prenez garde. Merci, élu. Nous nous retrouverons à l'entrée du temple.
Je voulais m'assurer que tout le monde était protégé. Je vous en prie, avancez, élu. Au travail, nous nous retrouverons à la porte du temple. Les rayons purifiés, cette protection n'est plus qu'un léger contretemps. Shaza s'apprête à la neutraliser. Vous avez déjà fait votre travail ici, élu. Retirons-nous et laissons-la faire. Shaza, que s'est-il passé? Ce machin était plus costaud qu'il avait l'air. Ça va aller, entrons. Encore une protection. Shaza pourra la faire tomber. Lune noire, celui-ci est encore plus fort que celui de l'extérieur. Mon la lune devrait être le cœur de la lumière lunaire dans la marche de la Camarde. Au lieu de cela, nous sommes cernés par les ténèbres. Tarn et la crinière noire osent fouler le sol du temple. Ils profanent la danse des deux lunes. Et une corruption rampante s'immisce dans la chambre intérieure de Mont-la-Lune. Le vestige de la crinière noire a détourné les autels de Maser et Secunda. Il se faufile entre les fissures des briques, s'étend et s'agrippe à chaque rayon de lumière. L'obscurité des Dromatras s'étend depuis leur demeure, annihilant tout ce qu'ils touchent. Ah oui, les trois autels devraient être alignés à l'une des phases de la Lune. Concentrer leur lumière à nouveau. Rejeter l'obscurité et réclamer. Ceci devrait vous permettre de franchir la porte. Jadis, les sculptures et ornements des murs auraient célébré la danse.
Les pierres précieuses incrustées sur des plaques complexes se seraient adressées à Maser et Secunda. Le temps n'a pas épargné ces ornements. Mais il est possible qu'il s'adresse à vous. Je te suis, ma sœur. Où est-il? Je ne sais pas. Il devrait être ici. Vous êtes à moi maintenant, championne. Kali! Attention! Quoi? La lumière de la danse se refléter dans vos yeux. Désormais, John et Jod veilleront sur vous. Ils vous accompagnent en cette heure de vérité. Vous devez choisir. Deux entités vous accompagnent dans l'obscurité. Kali et Shaza sont deux championnes lunaires. L'une des deux ira briller avec autant de clarté que John et Jod. L'autre se déformera, pourrira et s'éteindra ici, dans la corruption qui infeste les profondeurs de Mont-la-Lune. Vous êtes l'élu des lunes. Cette décision, c'est votre destin. L'une vous accompagnera et marchera sur le sentier des deux lunes pour devenir la prochaine grande crinière. L'autre tiendra la crinière noire en lieu et place et résidera à jamais dans les ténèbres. Rittar vous éclairera de son mieux, mais sachez que la décision vous revient. Vous devez faire votre choix avec votre cœur, votre esprit et votre âme. Vous voyez juste. Elle restera ici prisonnière de l'obscurité. Seule la vaillance de son cœur et la sagesse de son esprit permettront de contenir les démons de la crinière noire. Vous l'avez vu de vos propres yeux, élu des lunes. La dévastation au fort de la veillée. Seule une crinière noire qui exerce un contrôle sur son hôte peut agir de la sorte. Lorsque l'hôte et l'obscurité ne font qu'un, l'obscurité est encore plus terrifiante. La crinière noire est un être des ténèbres. Elle réside dans un univers qui se déploie au-delà de la voûte céleste. La seule manière de l'annihiler véritablement est de l'affronter dans l'un de ces lieux. Mais l'une des championnes peut la contenir à présent, afin d'éradiquer le mal en ce monde. Non, élu. Vous seul devez prendre cette décision. Parlez aux championnes si vous le souhaitez. Écoutez ce qu'elles ont à vous dire avant de trancher. Mais cette décision doit vous appartenir, à vous et vous seul. Élu, Shaza n'est pas de taille à contenir ces ténèbres. Elle n'en a pas la force. Choisissez-moi pour porter ce fardeau. Posez-moi les questions que vous voulez. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je dirigerai avec une grande fermeté et un immense courage, exactement comme Mère me l'a appris pendant toutes ces années. Père s'extasiait sans cesse sur les talents de magicienne de Shaza. Un jour, elle a embrasé les cieux à l'aide d'un simple sort.
Ils étaient tous les deux si fiers d'elle. Je suis sûre qu'ils voudraient qu'elle devienne grande crinière, qu'elle guide notre peuple. Élu, Kali n'est pas préparée à ce qui nous attend ici. Choisissez-moi pour contenir la crinière noire. Bien sûr, Élu. Je répondrai à toutes les questions qui vous aideront à prendre cette décision. Je ferai de mon mieux pour diriger avec sagesse, comme les moines nous l'ont enseigné, et comme mon père aussi. Mère était si fière des talents de bretteur de Kali. Elle lui demandait souvent d'en faire la démonstration devant les autres enfants. Je suis sûre qu'il voudrait que ce soit Kali, la prochaine grande crinière. Elle est bien plus forte et courageuse que moi. C'est une meneuse charismatique, doublée d'une grande guerrière. Certainement, Kali serait une grande crinière plus compétente. Sa force et sa détermination seraient d'une grande utilité. Je connais bien les ténèbres des Dromatra. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'en suis capable. Il en relève de ma responsabilité. Emmenez Kali et quittez les lieux. Élu, c'est elle qui devrait être désignée comme future grande crinière. Je ne suis qu'une scribe qui naquit en un jour particulier, à un moment bien spécifique. Je ne mérite pas d'être grande crinière. Élu, Kali n'est pas préparée à ce qui nous attend. Certainement, Kali serait une grande crinière plus compétente. Sa force et sa détermination, j'en suis capable. Ma sœur, je t'en prie, reviens à la raison. Les choses doivent être ainsi, ma sœur. Ne pleure pas sur moi. Est enfermée à présent. Quitte cet endroit, ma sœur. Javatarn paiera pour ce qu'il a fait à ma sœur. J'en fais le serment. Par les lunes, je jure que je retrouverai ma sœur. Je me fiche de ce qu'a dit ce vieux fantôme miteux. Je vais parcourir le sentier avec vous, trancher la gorge de Tarn et revenir avec une armée de mages pour libérer Shazza de ce tourment.